Ok, bah super. Est-ce que du coup j'ai préparé une petite liste de questions pour avoir une trame, mais on n'est pas obligé forcément de suivre ça. Enfin voilà, on peut se laisser aussi la liberté, tu vois, voilà. Et du coup, j'aimerais bien savoir brièvement, enfin si tu peux te présenter et puis savoir comment tu as débuté l'alpinisme. D'accord, bon bah voilà, je me prénomme Michel, j'aurai 71 ans au mois de mai, j'ai 12 petits-enfants et Wow. j'habite Briançonnais depuis fin 1978, toi qui n'étais pas né. Donc ça fait, je ne sais plus, ça doit faire 45 ans et j'ai choisi de venir vivre dans le Briançonnais pour faire de la montagne que j'avais découvert. Grâce à des amis, peu de temps auparavant, en passant un mois à camper à Aile Froide et donc à découvrir les premiers pas de l'alpinisme, un peu comme tu le fais, comme tu le présentes dans ta formation. Mais voilà, moi j'ai pu le faire dans le réel avec des copains qui étaient super chouettes, qui étaient à la fois très, très forts, mais aussi très. Très humble et très soucieux de la sécurité et du plaisir d'être en montagne et du respect du rythme de chacun. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces amis-là qui m'ont vraiment fait apprécier la montagne. Alors, moi, j'adorais, voilà, j'étais très attiré par la montagne et j'étais mort de trouille. Par exemple, en escalade, je tremblais comme une feuille. Enfin, je ne savais pas du tout, j'étais crispé. Enfin, bon. J'étais plus à l'aise en neige, mais voilà, mais j'avais ma motivation était très très forte et avec ces gens-là, j'ai pu voilà, j'ai pu faire mon petit bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui parce que je suis toujours vivant. Voilà, mais je voudrais le rester et je voudrais surtout pouvoir continuer parce que mes petits-enfants, leur âge va de les plus âgés approchent la trentaine. Et la plus jeune a 4 ans, bientôt à 4 ans au mois de mars. Et j'aurais pratiquement toutes et toutes fait découvrir la montagne. Et elle continue de venir en profiter, même à l'âge adulte et avec leurs copains, leurs copines. Et pour moi, c'est un bonheur incroyable que de pouvoir partager ça depuis tout petit jusqu'à plus grand, et j'ai envie de pouvoir continuer au moins jusqu'à l'adolescence de la plus petite. Ça me motive. Voilà, voilà, tu connais mes motivations. Ouais, j'ai pas d'enfants et de petits-enfants, mais j'imagine, enfin, j'aimerais énormément pouvoir transmettre ça un jour, si un jour j'en ai, c'est sûr que ce serait, enfin, voilà, je peux que imaginer ce que ça doit représenter comme joie et de transmettre ça. Et qu'est-ce qui te fait rêver dans la montagne, dans l'alpinisme? En gros, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu vas en montagne? Bon, c'est difficile de répondre à cette question de manière certaine, on va dire. Bon, je crois que ça mêle des mobiles et inconscients et des motifs un peu plus réfléchis. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai besoin de la montagne. C'est un peu mon oxygène par rapport à la vie qui est pas toujours rigolote, même qui peut être parfois tragique, y compris par chez nous. J'en ai un peu parlé. Et donc, oui, la montagne, c'est un espace de ressourcement. Moi, ça me permet d'être un peu comme en phase avec la nature. Je m'y sens bien. D'ailleurs, je fais beaucoup de montagne tout seul, ce qui n'est pas vraiment recommandé, et de moins en moins avec l'âge, justement. Donc, c'est aussi un dilemme pour moi. Mais ouais, moi, je me sens très bien en montagne et ça me ressource. Voilà. Ok, je partage. ouais, c'est quoi les. Alors, tu disais que tu as eu de la chance puisque tu as été initié par des amis bienveillants qui respectaient ton rythme, etc., qui étaient très forts.
Et est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés pour débuter l'alpinisme ou pas tellement du coup vu que tu as été initié par ces personnes-là ou... J'ai eu énormément de. Bon, le fait de faire ce choix de venir à Briançon, bon, c'est un paradis pour la montagne ici. La montagne sous toutes ses formes. Hein, bon, j'ai limité parce que c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas possible d'envisager de multiplier les apprentissages. Mais on a tout ici, l'eau vive, l'air, enfin, évidemment, l'escalade, le vélo, tout ce que tu veux, la haute montagne. Toutes les saisons, parce que la montagne, ça change tout le temps, voilà. Donc, en plus, les choses évoluent avec les modifications climatiques. Pour nous ici, c'est extrêmement visible, c'est très très fort. Donc, il y a plein de choses qui changent. Mais voilà. Donc, moi, je me suis ciblé. Enfin, j'ai pas spécialisé, mais je me suis recentré plus sur le ski de rando, la pentraide et le ski alpinisme, on va dire. Et puis, pas au sens de la compète, hein, au sens de la pratique, je parle. Et puis, l'escalade, j'aime surtout les grandes voies. Et avec l'évolution, justement, climatique, bon, la montagne estivale, maintenant, voilà, les courses de neige, c'est surtout à ski qu'on essaie de les faire. Et sinon, à pied, ça devient, voilà, le créneau et c'est beaucoup plus difficile. Enfin, les possibilités se sont énormément restreintes, complexifiées. Donc, voilà. Donc, moi, je privilégie l'alpinisme à ski et puis l'escalade l'été, les grandes voies et donc plutôt le rocher le meilleur possible. Et voilà. Et en termes de difficultés, moi, la seule chose qui m'a manqué, c'est la disponibilité. Voilà, pour des raisons professionnelles, familiales, etc. Et c'est pour ça que maintenant, avec la retraite, voilà, j'ai voulu me réinvestir, essayer de profiter de cette possibilité d'avoir plus de disponibilité, même si en pratique, c'est pas évident. Et puis aussi avec le vieillissement, la conscience que mes moyens, certains moyens diminuent, y compris les moyens, pas seulement physiques, en termes par exemple de vigilance. Donc la nécessité pour moi de. Enfin, je me sens un apprenti permanent, c'est vrai dans plein de domaines, mais en montagne encore plus. Et puis aussi les pratiques ont évolué, le matériel a évolué, les connaissances ont évolué. Quand je vois par exemple au niveau de la prévention du risque d'avalanche, voilà, c'est énorme comment les choses ont évolué. Donc moi je te dis cette très forte motivation de quand j'emmène des gens de voilà que les gens se sentent bien, que je me loupe pas, que je fasse pas de que qu'ils puissent se faire plaisir et sans danger, donc enfin sans mise en danger. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a motivé pour continuer voilà, parfaire ma formation qui me paraît permanente. Donc, voilà, et voilà, je suis tombé sur ta proposition et puis j'ai un peu hésité parce que, voilà, justement, parce que comme elle s'adresse vraiment à des débutants, et puis finalement, je suis très, très content vraiment d'avoir franchi le pas C'est vrai? Trop oui, bien. vraiment, voilà, on peut en reparler. Ouais, bah ça faisait partie, tu t'as anticipé mes questions suivantes. J'avais la question, est-ce que tu as hésité avant d'acheter la formation et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas et est-ce que tu es heureux de l'avoir fait? Oui, ben voilà, c'est vrai que j'ai hésité hein, plusieurs semaines, parce que voilà, c'était ce côté un peu vieux montagnard, mais en même temps, toi, partagé avec beaucoup de questions, et finalement, mes questions et la conscience de ses limites, et aussi la force de mes motivations pour justement que quand je, que parce que je fais beaucoup de montagne tout seul, ce qui est évidemment pas raisonnable, de moins en moins raisonnable, et que je tiens à la vie, et aussi parce que je tiens, encore une fois, à permettre à mes petits-enfants et aux amis que j'ai l'occasion d'emmener, voilà, qu'ils se fassent plaisir en toute sécurité. Voilà, progressivement, j'ai décidé de franchir le pas
et je regrette vraiment pas. Et c'est quoi qui te c'est quoi qui t'a plu du coup dans le parcours ou c'est quoi que tu as appris? Pourquoi tu regrettes pas de l'avoir fait? Alors, j'ai un peu réfléchi pour préparer notre entretien, que je ne sois pas trop là à bafouiller, à chercher. Voilà. Et en fait, il y a trois choses qui ont été très importantes et qui se sont confirmées au fil du déroulé du programme. La première, c'est ton approche qui correspond à la mienne. C'est la culture de la sécurité, hein. C'est le fait d'être conscient qu'on fait tous des erreurs, hein, même les personnes les plus expérimentées, qu'il faut le reconnaître, qu'il faut donc se donner des marges de manœuvre, qu'il faut s'appuyer sur l'expérience, sur les pratiques qui ont fait leurs preuves, en situation, bien sûr. Il n'y a pas vraiment, quand on parle de bonnes pratiques, il faut toujours relativiser, parce que la montagne, c'est extrêmement complexe. En fait, les bonnes pratiques, c'est celles qui servent aux personnes dans les circonstances données. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne pratique universelle, hein. C'est toujours à adapter aux circonstances, aux personnes. Et cet état d'esprit, voilà, je l'ai bien retrouvé dans ton programme. Bon, ça n'exclut pas que les gens soient, et surtout des jeunes, soient motivés par des notions de performance, de progrès. Tout ça, c'est parfaitement légitime. Mais voilà, tout ça dans un cadre sécurisant. Et ça, je l'ai bien trouvé. Un cadre réfléchi. Ça, je l'ai bien trouvé. Je l'ai bien trouvé. Et dans cette idée-là, le fait de s'appuyer sur tes propres erreurs, sur tes propres tâtonnements, pour des débutants, moi, ça, je trouve c'est extrêmement parlant. Ça permet de démystifier quelque chose qui peut être très dangereux, et justement qui est un peu la course à la performance, qui est quand même très très prégnant, très présent, et qui fait beaucoup de dégâts, hein, notamment en montagne, hein, enfin dans tous les sports à risque, toutes les pratiques à risque. Et voilà, toi, tu mets en avant quelque chose qui me paraît vraiment pour moi la principale qualité en montagne en particulier, mais bon, à mon sens, c'est dans la vie en général, c'est l'humilité. Et ça, c'est très prégnant dans ta démarche. C'est tout à ton honneur. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà, je me suis retrouvé complètement là-dedans. C'était le premier point fort et que j'ai retrouvé tout au long de ta démarche. Voilà. Le deuxième point fort, c'est que tu t'adresses à des débutants. C'est-à-dire que, bon, tu parles justement, toi, de ton approche en termes de débutant. Et ça, c'est bien, c'est pas évident. Bon, il y a des très bons pédagogues, hein, il y a des très bons enseignants dans le milieu montagnard qui savent se mettre à la portée des débutants, mais c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Et ça aussi, c'est un peu pollué par l'esprit de compète, l'esprit de la notion, les notions de performance, tout ce que peut représenter la valorisation qu'apporte la pratique de la montagne vis-à-vis des autres. En fait, tout un tas de trucs qu'on retrouve d'ailleurs dans les biais, hein, tout ce que tu développes en matière de biais cognitif par rapport au facteur humain qui vient perturber l'approche des l'évaluation des risques, hein, et nos propres pratiques. Et ça, je trouve que c'est bien vu, c'est bien pensé. Toi, j'ai regardé une ou deux vidéos aussi avant notre entretien pour me parce que ça fait quand même un moment que j'ai. C'était à l'automne surtout, je crois que j'ai fait la formation. Mais d'ailleurs, c'est bien qu'on puisse la conserver parce qu'en fait, toi, ça, c'est aussi un point positif. J'y avais pas pensé, mais je m'en suis rendu compte en regardant. Tu vois, on peut y retourner parce que c'est pas voilà. Ça me paraît très important de le faire régulièrement. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de visuels, hein, que ce soit toi en tenue ou d'autres sur le terrain. Donc tout ça peut nous aider à mémoriser, à nous approprier des pratiques que bien sûr, et t'arrêtes pas de le répéter, il faut aussi passer, hein, nous, à l'exercice pratique, hein, y compris en ville ou chez soi, même quand il fait pas beau, on peut essayer de se bricoler un peu un petit espace pour au moins certaines manœuvres, manip,
les réaliser. Voilà. Mais c'est bien, ça part d'une préoccupation de les premiers pas, quoi, un peu. Ça c'est bien. Et, parce que si on passe, j'ai un exemple justement qui m'a marqué, toi, quand j'ai fait mes premiers pas, c'est justement ça, c'est comment tu marches en montagne. Toi, apprendre à marcher en montagne, selon les différentes circonstances, enfin, y compris la nuit, quand tu vois rien, etc. Bon, en fait, tout ça s'apprend. Et si tu as des skis au pied, si tu as les crampons, bien sûr, au pied, tout ça, si on ne part pas de là, y compris par rapport à. Parce que marcher en montagne, toi, par exemple, mes copains, ils m'avaient. En fait, en montagne, tu dois penser chaque chose que tu fais, y compris tes pas. Et donc, c'est bizarre parce qu'on. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est un exercice. C'est ton corps et ton mental qui sont engagés quand tu fais la montagne. Je pense que ça fait partie aussi du plaisir et ce ressourcement parce que tu te nettoies bien la tête et à devoir justement penser chacun de tes pas, si vous pas te faire un croche-patte avec tes crampons, ce qui peut avoir des conséquences très graves. Voilà. Donc ça, c'est bien présent dans tes vidéos, c'est bien. Voilà, il y a un côté simple hein, où tu te remets à la place du débutant et voilà, c'est quoi les premiers pas? Et après, tu insistes énormément sur justement respecter la progression. Alors, tu proposes, il peut y avoir, bien sûr, après, il faut que chacun fasse son chemin, mais voilà, toi, tu as un canevas, ça en propose un, on peut le construire. En tout cas, ça oblige à penser à ça, cette notion de progression. Et ça, toi, par rapport à la profusion de ce qui existe sur Internet, c'est extrêmement pédagogique, c'est sécurisant. Parce que quand tu vas sur Internet comme ça, tu as plein de trucs gratuits, mais tu sais pas comment, pourquoi prendre ci ou ça, donc tu sais pas. Et le débutant, il sait pas. Donc en fait, il va se noyer et alors que les premiers pas, il faut vraiment les accompagner et il faut y réfléchir parce que tu feras pas de pas compliqué si t'es pas capable de faire un pas simple. Et en plus, en montagne, il faut jamais oublier que malheureusement, beaucoup d'accidents qui ont touché les meilleurs, eh ben, c'était justement dans des passages faciles, dans des manips dites faciles, parce que leur vigilance s'était relâchée. Donc ça, il n'y a pas y a pas tous les pas comptent. Les plus faciles, si tu veux faire des choses difficiles, il faut que tu saches faire des choses faciles. Y a pas de lézard. Et en plus, le plaisir, ça c'est vraiment le grand bonheur. Quand tu apprends à faire du violon, ben, c'est quand même hyper ingrat pour tout le monde, hein. Et alors que la montagne, c'est gratifiant tout de suite, peu importe. Il n'y a pas de notion, le bonheur, le plaisir, s'il est le même, ton premier 3 sup, il est aussi fort que le premier 7A ou 9A des meilleurs. Ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Pour ça, c'est la nature, parce que là, tu retrouves ça dans la voile. Les sensations, c'est extrêmement gratifiant. Tu te fais plaisir, tout le monde se fait plaisir, dès les premiers pas. Dans les différentes pratiques de la montagne, ça c'est quand même, c'est une chance, c'est un bonheur fabuleux, c'est un terrain de jeu fabuleux. C'est clair. C'est clair. Voilà, et puis alors j'avais pensé alors je me suis mis un petit mémo parce que ma mémoire est flagellante. Oui, l'autre point fort aussi, c'est que voilà, t'es ancré dans la pratique réelle. Hein, même si ça n'empêche pas de théoriser, de s'appuyer sur des réflexions formalisées, il y a plein d'outils là-dessus. Mais voilà, mais c'est toujours en lien avec la pratique, hein, que ce soit évoluer sur un glacier, évoluer sur le rocher et dans la haute montagne. Voilà. Donc ça, c'est bien vu et c'est très important. Voilà. C'est pas trop théorique, c'est toujours une bonne équilibre, je trouve, en tout cas pour moi, entre la pratique en situation et puis tous les pas à pas qu'on doit justement apprendre pour évoluer en sécurité. Wow, bah trop bien. Merci beaucoup pour ce retour hyper détaillé. C'est hyper important pour moi. Enfin, comme je te l'avais un peu dit par mail, mais c'est hyper important pour moi d'avoir
ce genre de retour parce que ça me permet de savoir, bah, tu vois, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui a été bien fait, ce qui a été un peu moins bien fait, ce qui pourrait être amélioré et tout. Donc pour moi, c'est, enfin voilà, toujours dans cette démarche de, tu vois, je me retrouve énormément dans quand tu dis je suis un éternel apprenti, un éternel, enfin voilà, moi j'ai la même vision de la vie, enfin en général quoi. Et du coup, bah, un éternel apprenti, voilà, il apprend toujours et il s'améliore toujours un peu plus en prenant du feedback. Donc voilà, merci beaucoup pour ces retours très précieux. Et du coup, alors attends, moi aussi je reprends mes questions. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta pratique de la montagne depuis que tu as suivi la formation, ou pas tellement, ça a juste conforté dans ce que tu savais ou... Il y a plusieurs aspects alors, bon, qui renvoyaient à des préoccupations hein, en termes de combinaison plaisir sécurité qui m'ont permis d'avancer je trouve et j'y retournerai pour justement continuer d'y réfléchir puis je me fabrique mes propres outils. Ça aussi c'est pas mal hein, tu proposes un centre de voilà, de support, et je pense que c'est important que chacun se les approprie, et voilà, moi, c'est ce que j'ai commencé de faire. Donc, toi, déjà là, voilà, ça, c'est très positif. Mais toi, par exemple, toute la notion de progression encordée, selon les différents contextes, pour progresser, pour évoluer en sécurité. Donc, ça, c'est vraiment une préoccupation, très importante pour moi parce que, en fait, les terrains faciles où tu vas donc emmener, enfin, facile entre guillemets, où on est donc susceptible d'emmener les gens, en montagne au début, ben, ils sont pas si faciles que ça, en fait. Et les questions d'assurance sont toujours un petit peu compliquées. Et surtout si on veut pas non plus, voilà, il y a aussi le facteur temps, à prendre en compte. Enfin, bon, voilà. Donc là, je trouve que toi, tu as bien développé cette partie-là. Et je pense qu'elle est passionnante et c'est vraiment des sujets importants, voilà, parce que c'est justement dans les terrains faciles que souvent les pratiques d'assurage sont pas si simples que ça, paradoxalement. Et donc, ça, pour moi, c'est un point très très positif que je vais continuer de travailler. C'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres terrains, un peu, hein, on va dire, notamment toi, quand tu progresses en ski de rando, si par exemple je dois amener des gens en pente raide, et ben là aussi, voilà, tu es vraiment obligé de te poser des questions. Et moi-même, là, j'évolue dans mes pratiques aussi bien pour moi que si j'emmène les gens, parce que je fais pas mal de ski de couloir. Et donc, je suis en train de modifier ma pratique pour me donner à la fois plus de marge de manœuvre et aussi de me permettre de faire des choses que jusqu'à présent j'avais laissé tomber parce que justement parce que là voilà il y a une part de risque voilà et il faut pouvoir je mette toutes les chances de mon côté et donc c'est encore un domaine où justement je progresse pas mal et il y a de la matière dans ta formation pour m'aider à progresser et aussi bah, à mieux orienter mes propres recherches sur Internet pour trouver les bons interlocuteurs pour cette pratique et pour le coup qui n'est pas vraiment une pratique débutant. Ouais, Mais bon. c'est clair. Mais OK. voilà, c'est des exemples comme ça. Moi, je trouve très très bien aussi tout le côté interactif que tu cherches à développer, parce que les questions que se posent les gens, ben c'est aussi des questions souvent que tu te poses. Alors, le fait qu'elles soient formalisées, qu'il y ait des échanges, toi, dans les vidéos complémentaires que tu fais, ça, je trouve ça très, très bien. Ouais, ça me paraît à poursuivre, hein, un peu tes bonus qui Ouais. permettent d'en tenir la réflexion et justement que les gens puissent réagir par rapport à ce qui a été mis en avant pour un peu aller un peu plus loin ou mieux comprendre peut-être certains aspects, parce que justement la pratique
va obliger de creuser un petit peu, pas qu'il y ait de lever des ambiguïtés ou lever des dilemmes, enfin. Ouais, complètement, ouais, c'est clair. Et les bonus, j'aimerais bien, enfin, ce que j'aimerais faire à l'avenir, c'est de vraiment avoir un rendez-vous régulier avec un guide, tu vois, comme on avait fait un peu avec Polo, une fois là, et d'avoir un rendez-vous, je sais pas, ça pourrait être tous les mois ou quelque chose comme ça, tu vois, avec un guide qui, en plus, vu que chaque guide a un peu sa façon de faire, ça peut apporter à chaque fois un éclairage différent et du coup, ça vient, comme tu dis, ça vient compléter en fait une leçon qui est de base, qui est forcément incomplète parce qu'elle peut pas couvrir toutes les situations, tous les cas particuliers. Et du coup, ouais, je pense qu'effectivement, c'est aussi nécessaire. Puis j'avais une idée aussi de faire des petits. Faudrait que je fasse juste des zooms un peu café aussi pour que les gens se rencontrent, tu vois. Juste voilà, partager un moment ensemble pour se rencontrer. Si ça se trouve, il y en a qui sont dans la même ville et tout. Donc voilà. Bon, ça, c'est des projets, quoi. Tac, tac, tac. Donc ça, tu as déjà répondu. Ouais. Est-ce que tu as eu des accidents ou des incidents en montagne? Et enfin, ouais, est-ce que tu t'es déjà fait peur? Ça t'est arrivé? Ah bah oui, en 45 ans, forcément, forcément, oui. Alors j'ai eu de la chance, mais je pense que ce qui m'a plusieurs fois sauvé la vie, c'est que je mets un point d'honneur et encore plus maintenant, j'essaie toujours de me donner des marges de manœuvre. D'ailleurs, c'est bien, je pense que tu encourages ça beaucoup dans la formation. Et voilà, ce qui fait que une erreur, tu vois, faire une erreur, on n'arrête pas de faire une erreur. Quand tu fais deux erreurs qui sont susceptibles de se combiner, et ben déjà là, tu peux être très mal et ça peut être même fatal en certains cas. Si tu en fais trois, qui se combinent, bah, t'es mort. Enfin, c'est mon expérience, hein. Et chaque accident ou incident que j'ai vécu, et bah, il m'a évidemment renforcé dans l'importance de ces marges de manœuvre. Et aussi, et j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, et quand tu parlais de Polo, moi, ça m'a, j'ai trouvé cette tout ce travail avec lui absolument génial et j'essaye je vais approfondir justement sa manière de faire sur tout ce qui est de l'ordre de la tout ce qui est préparation. Voilà, c'est aussi la préparation et le débriefing, enfin pour moi ça s'entretient, hein. Ça je n'arrête pas de renforcer en fait avec l'expérience et l'âge. Alors en plus ça, il y a un petit côté, on va dire, comment dirais-je, ben la montagne, il y a le temps où tu es en montagne, mais il y a tout le temps où tu rêves, avant et après. Hein. Et c'est aussi une manière d'être en montagne. Et en fait, plus tu te prépares, bon, il y a du vrai plaisir à préparer. Et en plus, tu vas renforcer ta sérénité parce que tu auras mieux préparé ta sortie. Et prendre le temps aussi du débriefing, ben c'est moi par exemple, voilà, chaque fois, enfin surtout récemment, enfin bon, je sais pas, mais les avalanches où j'ai été impliqué dedans, bon ben j'ai fait des retours, voilà, j'ai fait des comptes rendus, je les ai publiés, voilà, j'ai contribué aussi à améliorer des topos parce qu'ils étaient merdiques, quoi, ça, voilà, ils pouvaient mettre justement des gens en difficulté. Ouais, j'ai le souci de l'avant et de l'après. Pour moi et pour les autres. Et ça contribue aussi à la sérénité et au bonheur qu'on trouve en montagne. Et je trouve que tu donnes énormément et les gens que tu fais intervenir vraiment apportent énormément à cet avant et après qui pour moi sont essentiels et que j'arrête pas de, on va dire, de renforcer. Alors, bon, faut faire gaffe parce que c'est pas non plus, on peut pas non plus faire que de la montagne par procuration, hein, parce que quand tu manques de disponibilité, voire comme quand tu es malade, comme je viens de l'être pendant un mois. Mais bon, voilà, j'essaie de pas perdre mon temps justement de réviser certaines choses, de préparer certaines choses
Et tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'atouts, de points d'appui dans ta formation pour aider à bien préparer ces sorties et à les débriefer et donc à réduire, parce qu'on ne devrait pas quand même en montagne pour y vivre des accidents et des incidents, mais forcément, quand tu as. Avec le temps, que ce soit les accidents des autres dont tu es témoin, où il faut t'interviens ou pas selon les circonstances, et puis tous ceux qui ont frappé tes amis qui sont plus là, ou qui sont encore là, mais que ça, voilà, qui vont plus en montagne ou qui font plus les mêmes choses. Enfin bon, il y a malheureusement voilà, l'accidentologie en montagne, elle est très 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 fournie. Et oui, voilà, moi j'ai eu ma part, hein, mais bon, j'ai rien eu dans différents domaines, hein, de l'hypothermie aux avalanches, en passant par des erreurs d'itinéraire en grande voie, enfin, bon, mais rien de, voilà, pas de bobo, à part Ouais. une entorse, c'est tout, Bon, mais... ouais, si t'as eu une entorse au max, c'est une belle perf. Ouais, qu'une chute. On est 3-4 avalanches quand même. Ouais. Où j'ai pu. Où je m'en suis sorti à chaque fois. Sans dommage. Et sans dommage pour les autres non plus. Et puis oui, voilà, des erreurs qui auraient pu mal tourner, erreurs d'itinéraire. Ouais. Mais voilà, heureusement. Les marges de manœuvre, à chaque fois, ont évité que ça se termine mal. Ouais. Voilà. Mais le débriefing aussi, c'est ça aussi qui fait. C'est pour ça que c'est très important d'avoir qu'on puisse accéder aux accidents et enfin, à leurs circonstances et à l'analyse des accidents pour qu'on puisse en tirer les enseignements, et il y a encore énormément à faire parce qu'on est voilà il y a il manque voilà il y a encore c'est encore relativement pauvre par rapport au nombre d'incidents et de presque enfin donc de presque accidents qui peut-être qu'on pourrait d'ailleurs les valoriser parce qu'il y a beaucoup à apprendre de presque accidents et y compris aussi d'apprendre quand ça se passe bien. Alors ça aussi je trouve que même si c'est pas, par exemple, en fait, il y a un tas d'exemples dans les vidéos dans ce que tu présentes qui s'appuient justement sur les choses qu'aujourd'hui on pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Et on explique pourquoi il vaut mieux faire comme ça. Et voilà, ça, c'est le fruit justement de tous ces enseignements tirés de la pratique et qui sont très importants à valoriser. Ouais, complètement. Est-ce que tu as des d'autant plus que tu as quand même pas mal d'expérience et le petit mot que tu as dit en introduction, enfin, quand tu as dit. Je suis toujours vivant. Ça me fait penser au proverbe, tu sais, un bon motard est un motard vivant, ou je pense qu'on pourrait dire la même chose d'un bon montagnard, quoi. Un bon montagnard, Oui, ça se c'est dit, hein. un Enfin, montagnard j'ai fait de vivant. la moto aussi. Ah, tu fais de la moto aussi? Ok. j'en fais plus, mais Ok. j'en ai fait plus, oui. Ouais, je fais aussi un peu de moto et c'est marrant parce que j'ai eu un peu les mêmes périodes. Que ce soit en moto ou en montagne, avec la période un peu d'excitation, de découverte, un peu tout foufou, et puis une période un peu plus où ça se calme, et puis on devient peut-être un peu plus raisonnable, quoi. Et ouais, du coup, ma question, c'était avec cette expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à donner soit aux personnes qui aimeraient se lancer dans l'alpinisme et devenir autonome, ou alors des conseils de manière générale, tu vois, pour ce que tes expériences d'accidents t'ont appris, et ce que tu referais pas ou ce que tu ferais différemment? Mais
Moi, l'histoire de marge de manœuvre, pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc, se donner de la marge, ben, je sais pas, moi, c'est. Donc, selon ce que tu vas faire, donc tu vas, ça, ton raisonnement va être un peu différent. Mais par exemple, pour parler de la pentraide, c'est un peu mon truc. Ben, ça veut dire que je vais tout faire pour pas mettre dans des circonstances où une chute serait fatale. Donc, ça veut dire que ça va être le choix du. Ça va être. Je vais mettre des limites. S'il y a un risque de chute fatale, que ce soit en lien avec l'exposition ou à la qualité de la neige, eh ben, j'irai faire autre chose. Voilà, bon, ça va. Je suis content. Par exemple, j'ai fait mon premier 5-1 l'année dernière. Yes. Eh ben, si la neige, j'ai enchaîné. La neige, c'était des conditions hyper. Il n'y avait aucun problème, je pouvais me casser la gueule, j'aurais pas été plus loin, toi. Ouais. Et voilà. Donc, j'essaye de chercher des conditions favorables pour pas se retrouver dans un guépier où je. Bon, ça veut pas dire que je m'y suis pas mis. Voilà, ça m'arrive l'année dernière encore. Voilà. Bon, bref. Et toujours avec ce problème du cumul. Hein. Donc Ouais. voilà, il est trop tard. Il est trop tard, la neige est hyper soufflée, c'est de la glace, c'est hyper venté. On a beau aller doucement, c'est de la tôle, mais il y a des vagues. On a beau essayer de faire attention, ben, je me fais un croche-patte, j'ai un ski qui passe sous une vague et qui me retourne comme une crêpe. Je tombe sur mon épaule, sur mon bâton. Il y a déjà plus le soleil, on est en plein hiver, la journée est courte et je sais qu'il y a un problème d'itinéraire pour la descente. On est à pas loin de 3000. Bon, là, je me dis, oulala, et j'ai mal. Je vais descendre avec pratiquement un bras. Et il n'y a que moi qui connais un peu l'itinéraire. Et le copain, bon, il est. Bref, et ben, bon, ben là, je vais. Bon, je sais qu'il faut vraiment que je fasse de plus en plus attention parce que. Et en même temps, il y a le chrono qui tourne. Parce que Ouais. la nuit, voilà, d'ailleurs, on arrive à la bagnole à la nuit. Hein, Et ben en fait, ben l'idée c'est de pas paniquer, de redoubler de prudence. Hein. Je cherche l'itinéraire. D'ailleurs, c'est un topo que je vais refaire. Je vais le vérifier cet hiver, mais bon, je suis pratiquement sûr de mon coup. Mais voilà, je le republierai par rapport à pour éviter que d'autres gens se retrouvent en galère dans certaines circonstances. Et bon, j'ai tâtonné, je suis descendu, je suis remonté. Voilà, j'ai quand même trouvé les bons passages. Mais c'est des exemples de oui d'avoir toujours suffisamment de marge pour que même s'il y a un pépin, là pour le coup, là ça faisait deux pépins plus la pression de l'horaire, des conditions de neige qui n'étaient pas géniales, il y avait peu de neige qui fait que le terrain était complètement différent par rapport à je l'avais fait une fois des années auparavant, donc c'était pas le même terrain, on ne pouvait pas passer au même endroit. Et enfin bon, ouais, la question des marges de manœuvre, c'est super important et essayer de garder son calme, de raisonner, voilà, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, y compris en envisageant, même si j'ai pas envie, bon ben, j'attendrai pas le dernier moment pour appeler le secours en montagne si à un moment donné on est trop dans la merde. Bon, je l'ai jamais appelé pour moi, mais bon, s'il faut le faire, voilà, il faut pas non plus. Et bon, ça c'est un exemple de philosophie, on va dire, générale. Sinon, je peux donner un exemple très très pratique que j'ai appris à mon fiston très tôt, en lien avec des incidents qui auraient pu mal tourner. C'est qu'en montagne, quand tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous, notamment à ski, mais aussi à pied, hein, quand tu ne vois pas ce qu'il y a sous toi, eh ben, soit tu n'y vas pas, soit tu y vas en t'assurant. Et tu ne continues pas. Parce que nous, on était à deux sur un glacier il y a très très longtemps. Et le copain, il s'est retrouvé à un moment donné sur une rupture de pente, en glace vive, donc sur des séracs. Et heureusement qu'il avait le pieu à la bretelle et il a pu remonter comme ça. Mais c'était limite. Moi, je ne pouvais même pas l'aider, lui apporter une corde. Voilà, j'étais pas du tout au bon endroit, j'étais en dessous, plus loin. Enfin bref. Donc, ne jamais aller trop loin.
Et ça, c'est, il y a un tas de circonstances. Moi, j'ai pu le vérifier dans un tas de circonstances, même au Mont Ventoux, en plein été, en descendant sur le versant nord. Voilà. Quand tu vois pas ce qu'il y a sous toi, t'y vas pas. Ou alors, tu t'assures. Et à mon fiston qui a fait beaucoup de, voilà, qui m'a dépassé depuis longtemps en ski, voilà, je lui dis, quand tu vas hors piste, si tu vois pas, non, t'y vas pas. Donc, dès qu'on voit plus, il faut pas se rapprocher, parce qu'à un moment donné, c'est trop tard. Et bon, c'est un exemple. Je pense qu'on peut voilà, il y a plein de ficelles comme ça qu'on peut apprendre les uns des autres. Moi, voilà, c'est dans plusieurs circonstances, cette règle-là, elle m'a bien aidé. Bon, après, il y en a d'autres. Ouais, ça, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que, enfin, tu sais, quand tu vois pas, parfois tu as envie d'aller voir, donc tu fais un pas, un petit pas de plus, un petit pas de plus, un petit pas de plus. Et j'ai l'impression que c'est, en fait, c'est tout le temps comme ça que, enfin, c'est souvent comme ça, en tout cas, qu'arrivent les accidents. C'est progressivement, c'est insidieux, en fait. C'est que il y a un Oui. petit problème qui arrive et puis on se dit, ah, oh, c'est pas si grave. Mais en fait, si on se pose vraiment pour réfléchir, les conséquences, elles sont pas du tout les mêmes que dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, on est en montagne, on met du temps pour revenir à la voiture, l'hélico, il ne peut peut-être pas venir parce qu'il y a du brouillard. Enfin, et en fait, il y a un effet boule de neige qui peut tellement vite se mettre en place. Et ça m'a marqué, tu vois, la fois où j'avais organisé un stage avec le premier stage qu'on a organisé pour justement pour les du coup des élèves de la formation. Et il y avait Amaury. Il y a un élève aussi de la formation qui est un des plus jeunes, puisqu'il avait 15 ans à l'époque. Il a participé au stage et on a fait avec Julien Deséquure, du coup, une petite arête bah, la pyramide de Lorrie Charles, là. Et enfin, au col du Lautaret, pas loin de. Connais bien ce Voilà, coin-là. oui. Je me disais que tu devais connaître. Et en fait, Amaury, il s'est. Alors, il s'est quand même. Je crois qu'il s'est déplacé la rotule, je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, il se serait tordu la cheville, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé la rotule et du coup, il pouvait plus marcher. Mais on était sur une arête, tu vois. Enfin, on devait revenir au chemin. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'autre option, quoi. Et en fait, tu te dis, bah, tu te tords la cheville en ville, bah, aucune conséquence, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a quasiment, c'est pas grave, quoi. Alors que là, ça peut très très vite partir complètement. En cacahuète, quoi, dans le sens où bah, tu te tords la cheville, et puis bah, comme tu dis, tu vois, peut-être qu'il va bientôt faire nuit. Et puis en fait, nous, là, il y avait du brouillard, donc en fait, l'hélico, il pouvait pas venir. Il a posé les secours, tu vois, 1 heure et demie de marche plus bas, quoi. Donc en fait, ça rajoute du temps. Et puis le guide, il doit gérer aussi toutes les autres personnes qui devaient quand même revenir sains et saufs, tu vois. Donc en fait, ça rajoute très, très vite. Enfin voilà, il y a ce phénomène un peu d'emballement, quoi. Et donc ça me faisait penser à ça, ce que tu disais. Et qu'on n'a pas forcément conscience quand on débute ou quand on. Voilà, quoi. C'est clair. Voilà, la petite pensée. Donc ça, ouais, je vais peut-être pas te poser. La question, c'était. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme autonome? Je pense que tu as déjà un petit peu répondu dans le sens où bah, tu te considères comme un éternel apprenti. Après, je pense qu'il y a quand même, on peut dire quand même qu'au bout d'un moment, on est autonome en haute montagne dans le sens où on a suffisamment de connaissances pour y aller tout seul, pour avoir une conscience des risques, dans quoi on s'engage, etc. Donc, je pense, enfin, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce que tu te considères autonome? Mais c'est-à-dire que c'est pas c'est je suis autonome, je fais beaucoup de montagnes tout seul, donc d'une certaine dans ce contexte-là, il faut bien que je sois autonome pour revenir, mais c'est relatif. Je suis autonome dans le respect de mes limites et en tenant compte de mes marges de sécurité que je me donne pour justement éviter de qu'il m'arrive trop voilà que en tout cas qu'il n'y ait pas un enchaînement dramatique quoi. Que je puisse me permettre un pépin, mais pas deux. Voilà. Donc, que je m'autorise une erreur, mais pas deux. Donc, voilà. Mais donc, dans ce sens-là, je suis autonome, mais c'est dans mes. Voilà, à mon petit niveau, à mon modeste niveau à moi, bien sûr. Et aussi autonome
par rapport à quand j'invite des personnes, et a fortiori mes petits-enfants, voilà, c'est clair que je ne vais pas leur faire prendre de risques. En tout cas, pas au-delà de ce qu'on aura décidé comme justement faisant partie de l'apprentissage. Donc, Ouais. quelque part, quand tu veux apprendre à gérer les risques, il faut quand même le percevoir, le risque, pour pouvoir un peu le toucher du doigt. Donc, avec là encore plein de marge de sécurité pour pas que le risque il te revienne dans la figure. Donc, ça, voilà. Donc, c'est une autonomie construite qui est relative voilà, dans ce que je m'autorise à faire tout seul ou avec d'autres et en fonction des autres. Voilà. Ouais, j'aime bien que tu remettes ça dans le contexte, en fait, parce que c'est toujours, effectivement, ça dépend toujours Oui. d'un contexte, c'est toujours quelque chose dans un système plus complexe, quoi. Et on aurait tort de simplifier, enfin, l'erreur pour moi, c'est de simplifier le problème à l'extrême, tu vois, enfin, c'est rare qu'on puisse répondre oui ou non, quoi. C'est Non, voilà. souvent plus complexe que ça, quoi. Donc. Mais on peut, voilà, comme on est voilà, en tant qu'apprenti, voilà, je développe aussi mon autonomie. Par exemple, voilà, je me suis offert une cordelette en 6 mm, hein, une semi-statique, et voilà, et je pense essayer de l'emmener le plus souvent possible pour justement augmenter mes marges de manœuvre et donc à la fois mon espace d'autonomie et donc de sécurité dans ma pratique du ski de pente raide. Ouais, la petite cordelette, c'est vrai que moi j'ai pas encore passé le pas, mais c'est vrai que je connais pas mal de enfin quelques personnes qui l'utilisent et ça peut faire la diff, ouais. Voilà, ouais. Ah oui, une question que j'ai, c'est vrai qu'on n'a même pas abordé, mais c'est quoi les sommets que tu as ou les courses que tu as réalisées dont tu es fier ou dont tu te rappelleras toute ta vie et celles qui sont peut-être en projet si tu en as? Oui, tous les raids que j'ai fait, presque tous les raids que j'ai fait à ski. Même ceux les premiers dans les années, donc ça remonte loin, c'était au début des années 80, ils sont dans moi. Alors je me souviens pas de tout, mais je me souviens de beaucoup de phases. J'ai des images dans la tête, et alors que ce soit ici dans les écrins ou en Suisse, du côté du Cervin, toi, toute la chaîne des 4000, là. J'ai été 2 fois par là-bas. Oui, ça, c'est des souvenirs. Ça me remplit, ça m'habite. Hein, j'en suis très, très, très heureux. Bon, il y a des rêves que peut-être je réaliserai jamais, comme la traversée de la Meije l'été. J'ai essayé, je sais plus combien de fois. Là, un rêve que je peut-être qui, si j'attends pas trop, qui reste possible. Je sais pas si j'y arriverai, mais voilà, il y a encore envisageable. Ce serait la traversée du Pelvoux à ski. Mais toi, par contre, la traversée du Pelvoux l'été, eh ben, je l'ai jamais fait parce que ça s'est pas présenté. C'est comme la barre, mais je veux dire même la barre des écrins. Je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais voilà, c'est un truc. Moi, quand il y a du monde, j'y vais pas. Donc, Ouais. j'ai appris ça avec mes copains, là, tout à fait au début. Je me souviens très bien, voilà, on devait aller au col de la Temple. Il y avait du monde, donc arrivé dans la partie couloir à l'approche du col de la Temple, au bout du glacier, voilà, il y avait du monde, ça tarpinait dans tous les sens. Et ben donc les copains, ils ont décidé qu'on n'y allait pas. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et moi, c'est ma philosophie. Je me suis retrouvé dans je ne sais combien de cas à devoir changer d'itinéraire parce qu'il y avait du monde au-dessus. Et je fais super gaffe aussi si jamais il y a du monde en dessous de moi. Moi, à ce moment-là, tu te sens responsable. Voilà, donc ça fait partie des enseignements. Moi, je fais super attention à. Ça m'intéresse pas d'être au milieu. Bon, la montagne, c'est un paradis, c'est un endroit merveilleux. Mais il faut faire gaffe, on peut vite se gêner les gens. Hein, il y a des dangers les uns pour les autres.
Je me souviens aussi, toi, là, une très belle, un très beau souvenir, c'est la calotte des agneaux qui n'existe plus. Hein. Voilà, il n'y a plus de calotte des agneaux. Tu peux le faire maintenant à ski, mais toi, elles sont en glace. Elle n'existe plus. Et elle a disparu à cause du réchauffement. Et donc, la fois où on l'avait fait, ben, il y avait quand même, il y avait une autre cordée, ben, on s'était décalé. Hein. Et donc, voilà, c'est des souvenirs très forts pour moi. Et le plaisir demeure. Et on a déplacé, on a éliminé, on réduit très considérablement le risque, on s'est décalé de la cordée qui était au-dessus de nous, qui aurait pu nous emporter si, en cas de souci. Voilà, bon, ben, c'est des expériences comme ça qui permettent de garder un très bon souvenir et en même temps d'avoir appris quelque chose par rapport aux risques qu'on peut faire courir sur les autres, justement, par une trop grande, en étant trop nombreux à des endroits qui le supporte pas trop, quoi. On peut pas être trop les uns au-dessus des autres en montagne, quoi. Faut faire gaffe à ça. Et voilà. Mais après, je sais pas, toutes les montagnes sont belles. Je sais pas, j'ai fait 3 fois Rochefort-Yvaux, c'était 3 fois différents. Je sais pas. Quand j'étais gamin, j'allais au lycée à Fontainebleau, je traversais la forêt 2 fois par jour. Je n'ai jamais eu de lassitude. Il n'y a pas de, pour moi, enfin, j'ai pas tous les, tout, peu importe, à la limite, je serai toujours heureux d'être quelque part en montagne ou que ce soit. C'est toujours différent de toute façon, donc j'ai pas du tout de notion de. Ça me gêne pas de que certains. Voilà, là, j'ai fait le couloir de Barnois il y a longtemps. On devait faire la traversée, on n'a pas eu le temps de faire la traversée des Ardennes. Ça, c'était un projet qui avait du sens parce que justement il n'y avait personne et tu risquais pas d'être embêté. Mais c'était une manière de faire les écrins qui me bottait. Bon, bah maintenant, à l'âge que j'ai, ça me paraît pas tellement évident de pouvoir être capable de faire ça. Je sais pas. Bon. Mais c'est pas grave, je regrette pas, il y a plein d'autres choses. C'est pas grave. Donc j'ai que des bons souvenirs. Et je vais encore m'en faire d'autres. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau ton témoignage. Ça me touche et ça me parle. Enfin, que le fait que tu dises je traverse la forêt et c'est tout aussi beau, ça me parle beaucoup. Moi, c'est marrant parce que j'ai mis du temps à revenir à cette simplicité un peu. C'est drôle parce que quand j'ai découvert l'Alpi, ça m'a un peu paradoxalement, ça m'a éloigné de la simplicité de. Tu vois, de la moyenne montagne ou juste d'une balade en forêt, ou parce que j'ai eu cette phase un peu où je voulais aller absolument toujours plus haut, toujours plus difficile, tu vois, machin. Et c'est un truc que je retrouve vraiment là depuis quelques années. Et c'est vrai que juste être en forêt, je trouve ça déjà incroyable, quoi. Bien Donc, d'accord. ça me parle, ouais. Ok, bah je crois que j'ai plus de questions. Est-ce que t'as des choses dont tu voudrais parler ou des choses Non, mais c'est agréable de pouvoir échanger comme ça. Et voilà, moi je suis content que tu mettes des moyens à la disposition des gens qui veulent découvrir la montagne, parce que c'est un espace fabuleux. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent leur science, leur expérience. Je vois dans le domaine du ski de pentraide, là, ils sont quelques-uns, toi, qui sont vraiment passés à la pédagogie de leur expérience pour la transmettre. Je trouve ça vraiment super chouette et ça peut que aider à réduire, à limiter les voilà, limiter les risques, voilà, et qu'on aille en montagne pour se faire plaisir et pas pour y enfin, cartonner ou voilà, même si bon, on peut comprendre les logiques, voilà, de performance, hein, mais bon, parce que c'est pas, pour moi, la performance, voilà, elle peut être dans des choses aussi très très modestes, tout est voilà. Mais même si de fait, on se rend compte aussi que les gens qui sont dans la performance, ils contribuent aussi à faire rêver et à attirer
Voilà, donc c'est pas non plus, je peux pas leur, je suis aussi, je suis pas le dernier à regarder leurs expos aussi, hein, donc voilà, je vais pas leur jeter la pierre. Voilà. Mais moi j'ai envie qu'ils restent vivants. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est bien d'avoir, en fait, je crois d'avoir les deux discours et puis que chacun puisse faire son chemin là-dedans, quoi. C'est tellement intime, en fait, la montagne, j'ai l'impression. On a tous un peu notre relation avec ça. Et puis voilà, donc c'est cool qu'il y ait des ressources ou des moyens pour chacun, quoi, pour chaque philosophie, chaque. Voilà. C'est sûr. Bah en tout cas, si jamais un de ces quatre tu passes à Chambéry, ce sera avec grand plaisir. Et si tu veux boire un verre ou un café ou n'importe quoi, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Et puis. Ok, ben, pareil pour toi si tu passes à Briançon. Voilà. Avec plaisir, ouais. J'adore vraiment cette ville. Peut-être un jour j'y habiterai. On y allait une fois en vacances avec ma copine et c'était pour faire du ski de rando et c'était vraiment génial. Il y a un truc un peu magique, je trouve, à Briançon. Tu vois, un peu éloigné de tout. Enfin, de tout, c'est relatif évidemment, mais de mon point de vue, c'est un peu éloigné. Tu vois, des grandes villes et tout ça. Du coup, je trouve qu'il y a un truc un peu magique, quoi. Donc, peut-être un jour, j'y habiterai. Et si j'y habite pas, quand j'y passe, je te ferai signe. Ça marche. OK. Bah, merci infiniment, Michel, pour ton temps. Et puis, je te souhaite tout de bon pour ta pratique en montagne, pour tes petits-enfants et tout. J'espère que, voilà, que tu pourras leur faire encore. Voir de belles choses pendant plein d'années. Et puis, J'y compte bien. ouais, super. Ben merci à toi, hein, c'est voilà, t'as fait du bon travail. Et bah cool, je suis trop content que ça t'ait apporté quelque chose. Et Ben à bah, à bientôt. bientôt. Ouais, ça marche. Au Salut revoir. Michel. Ciao.